Bonjour les kikis et maniaques de la RC. Avait demandé Mani, je fais une petite vidéo vite fait de mon atelier bien bordélique. Donc je me présente, donc Reynald RC, donc passionné depuis à peu près 35 ans. Et donc là, un petit tour vite fait de mon atelier avec, j'ai quasiment toute la gamme Arma parce que j'adore. Alors le granit, le crétone, la vendetta que j'aime bien aussi. Okay. Bon, beaucoup de réglages à faire et de modifs, mais une fois qu'on a compris, ça marche. Ma mini pour rouler dans le salon, une ancienne CRP, enfin c'est une base X-Ray. C'est une toute petite, mais alors pour rouler sur le carrelage, c'est génial. Ensuite, là on passe à la plus au plus gros. Ben, j'ai fait beaucoup et énormément d'un cinquième. Donc sur du FG, là en ce moment un petit peu des tests sur du Mécatech. Mon favori que je promène depuis, bah oui, pas loin de 30 ans. Mon Monster FG qui est modifié en piste et où on s'amuse comme des fous. Sur piste, j'ai une tenue de route incroyable. Et du coup, je fais carrément des courses avec même les gens qui roulent en GT. Ils sont surpris quand ils me voient y arriver, mais ça marche super bien. Bon, il est entièrement modifié, hein, double amorteau, 4 amorteaux avant, 4 amorteaux arrière. Il est vraiment travaillé pour faire de la piste et ça bouge pas du tout. Ensuite, là c'est un petit peu le fourbi, hein. Des ateliers, du bricoleur. Là ici mon petit banc d'essai où je refais un petit réglage moteur là sur un Obi-Wan et un moteur Spectrum. Ça c'est mes fameuses mini turbo racing où je roule quasiment tout l'hiver sur un grand tapis, c'est génial. Ah, c'est vraiment mini mais on s'amuse bien, surtout quand il fait mauvais temps. Là, on va repasser à mes fameuses VT, hein, où je partage beaucoup d'infos avec RC Iwana, si vous connaissez, de la Martinique, qui est super sympa. On se donne un petit peu nos réglages, nos modifs, voilà. Ensuite, alors là, c'est mon fameux proto. Alors là, c'est un mélange de, c'est compliqué, hein, de T2M, de Arma, de Obi-Wan. En fait, c'est tous les vieux morceaux de châssis et compagnie que je me suis amusé à reconstruire une voiture quasiment avec. Ah ben, ça roule bien quand même, hein, avec un bon brushless dessus, super. Après, je suis un grand fan des Arma Typhon. Donc là, alors là, on les compte plus, hein, chez moi, il y en a un petit peu partout. Là, en v'là un, en v'là deux. Alors celui-là, c'est le spécial bâche, hein, donc pour faire le sauvage. Celui-ci est préparé entièrement pour la piste, où on s'amuse aussi comme des petits fous, on fait des vitesses de pointe et tout sur piste, ça accroche super bien. Et le premier que je vous avais montré, pareil, il est modifié entièrement pour la piste, aussi en double amorteau, avant-arrière. Et là, une tenue de route incroyable, hein, c'est presque aussi bien qu'une GT. Hein, pas mal. Ensuite, mes toutes premières, hein, tout le monde a eu, hein, les TT02. Là, c'est le petit de ma petite fille, un Speed. Ensuite, bien sûr, j'ai le Vortex, alors là, un design de fou que j'adore. Voilà, donc celui-là aussi, il fait beaucoup de sorties tous les dimanches. Rééquipé aussi, tout en brushless Obi-Wan et hyper fiable. Le deuxième de ma petite fille aussi qui s'éclate comme un fou, là, c'est les fameux Funtech. Hein. Hein, je les ai tous, les MTX, les STX. Une fois tout fiabilisé, c'est vraiment des super machines. Là, il y a encore une TT. Ah, Tamiya, toujours. Or, ça, c'est un petit morceau qui servait de pièce détachée. Derrière, j'ai encore une WL Toys, hein, qui est géniale. La toute première de ma fille qui s'amusait comme une folle, mais bon, là, il y a beaucoup de réparations à faire. Voilà, le petit coin des radios avec les produits. Bon, les radios, c'est pareil, j'en ai tellement que. Ma bonne vieille fuite à bas qui a aussi fait ses 30 ans, je crois, cette année. Hein. C'est vraiment une relique. Mais ça marchait super bien. Voilà, là, un petit peu les outillages, les fraises, tout ce que j'utilise. Enfin, les watts 1000 batteries partout, mis dans des boîtes de conserve, hein, au cas où, pendant la charge. Ça évite les mauvaises surprises. Ben voilà, les amis, donc je reviens, vous voyez, porte du garage customisée avec les plans de tous les Armas.
Voilà, que j'utilise. L'autre porte du garage avec bah aussi la Vendetta. Enfin, mon super Typhon que j'adore. Voilà, voilà. Comme je disais, les Typhons, chez moi, ils font tout. Ils font de la piste, du bash, du TT normal, enfin. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Un petit coucou à Mani. J'espère que la petite vidéo lui fera plaisir aussi, vu qu'il voulait qu'on fasse les vidéos de nos ateliers. Bon, le mien, c'est vraiment un champ de bataille, mais je veux dire, on s'amuse bien quand même. Hein. Voilà, voilà, quoi. Allez, les amis, à la prochaine.